Building up the nerve almost equal in size. I walked around with the iron for any wrinkle in time. I paid a piece of my mind for every nickel and dime, but never less than a five and never slept on a job. A trapped on your squad, yet never left the garage when your guide was close enough to see the flag. Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Ici, Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. On est très heureux de retrouver le foot anglais et ce match de Première Ligue, Swansea face à Crystal Palace. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion. Dilatez vos chakras. Un œil sur le 11 titulaire. La tactique du 4-5 ans, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis et tu récupères le ballon. Et voilà donc la composition de cette équipe. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et c'est parti dans ce match. Oui, la frappe et le but. Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Le tir en finesse plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire, c'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. L'équipe locale, c'est vraiment l'invité surprise dans ce classement. Et pour être honnête, personne ne l'avait vu venir. Et oui, depuis le début de saison, il y a cette volonté d'affirmer une personnalité sur le terrain. On voit une équipe fier. Oh, il y a danger là, attention! Et le ballon heurte le poteau, ça joue! Ah non, ça s'arrête là. L'égalisation était là, mais les montants ont dit non. Faut réajuster le viseur. Ah, la faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Attention, une petite alerte parce qu'on nous signale un but au Goodison Park. Oui, c'est le premier but pour Manchester United. Un but marqué par Ciro Immobilier sur une erreur du gardien. Un but à zéro, donc, alors que le match a commencé il y a 10 minutes. Ok, merci pour l'info. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe.
Et le ballon est finalement intercepté. Verraillou. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et la passe dans le dos de la défense. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces deux buts d'avance. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur et trouvé l'attaquant dans une position idéale. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Verraillou. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et peut-être le but pour revenir. Et oui, c'est dedans. Voilà ce but qui redonne vie à cette équipe et qui relance le match. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Verraillou. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. On le voit, l'équipe locale n'a pas la possession, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir... Allez, la frappe, c'est bien tenté. Allez, ce ballon dévié sort, corner à suivre. Le corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, le danger est écarté. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Ah, c'est bien parti. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus si près de la cage. C'est un facilitateur des rêves. Le corner bien tiré. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et il prend sa chance. Et un ballon capté sans problème. Verraillou. Ah, sacrée intervention. Le ballon est perdu. Hamada. Et ça joue sur Zaha. Allez, le but pour un exploit. Ils ont comblé leur retard et les voilà à égalité. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière et ce ballon qui monte et vient se glisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus, mais ça fait but quand même. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2-2. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Oh oui, c'est bien fait, il est passé.
bon crochet vers l'intérieur. Oui, joli réflexe. Première occasion depuis un moment. Corner, le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et encore un corner à tirer. Le corner. Attention, c'est pas terminé. Et oui, le tir, c'est contré sans problème. Et ça a l'air bien dosé, ça. Oui, mais non, ça ne profite pas en fait. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Attention pour mener au score peut-être. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Ah, pas bien joué, mal défendu. Faute, l'arbitre donne le coup franc. Oui, le ballon est intercepté. Elle est merveilleuse cette passe. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Vers Ayou. Ouais, super geste défensif, sans commettre de faute. Et le tir. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. La balle est interceptée. Et bien fait, quelle ouverture! Et voilà, c'est bien récupéré dans l'espace. Intervention! Superbe! Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Il faut tenter sa chance. Un bon arrêt du gardien. En deux temps. Ah, il élimine son adversaire. Ouais, c'est contré, bonne défense. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et le ballon part bien. Et cette frappe finit très loin du but adverse. Elle n'inquiète personne, à part peut-être au banc de touche. Il faut continuer à travailler devant le but pour corriger ses trajectoires. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec de la Première Ligue, Swansea à Manchester United. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. On le voit, la possession est assez équilibrée. Les séquences de jeu s'alternent très bien. Il y a les fleurs, la nappe et la vaisselle, le poulet du dimanche. On assiste à un magnifique festin du football pour tous les invités. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et un but marqué à Turf Moor, me dit-on à l'instant. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Tottenham. Il est signé Hutchinson. Quel caviar! La défense n'a rien pu faire. Ça fait donc un but partout, alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Eh oui, c'est dangereux. Oui, très bon timing sur cette passe. C'est dommage parce que cette balle placée avait quand même quelques qualités. Son principal défaut, c'est qu'elle est à côté.
Alors, il y aura un match de Première Ligue au programme et à suivre très bientôt. Crystal Palace affrontera Leicester. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. L'occasion de prendre l'avantage. Magnifique intervention. Zaha avec le ballon. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ah, la frappe est contrée. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Alors peut-être que le joueur pensait que l'arbitre l'avait oublié. Eh bien non, carton jaune. Corner. Mal tiré ce corner, facile à capter. Le ballon change de camp. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Oh non, ce ballon n'arrive pas, il y a une bonne couverture en face. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Cette attaque peut être décisive, un but maintenant et c'est fini. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Et attention parce qu'un but vient d'être marqué à Turf Moor. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Burnley. On en est donc à 2-1 après 81 minutes de jeu. Très bien, merci pour l'info. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et le contre est possible maintenant. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Et la bonne entente sur cette passe. Et but ! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Et il la passe dans le dos de la défense. La transversale remet le ballon en jeu. Et l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, c'est bien parti. Incroyable!